Bonjour à tous, Gabriel Dabichoubel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question du positionnement. On a eu un atelier avec un client la semaine dernière qui voulait et qui travaille dans la mode, qui a une école de mode. Et la question, c'était de savoir, et il a aussi autour de son école de mode plusieurs autres projets de création d'une marque, de création d'un showroom, de création de voyages culturels, d'échanges avec les entreprises. Enfin, c'est un projet qui est beaucoup plus large que uniquement une école de mode. Ma recommandation était de lui dire, sur ta home page, ne mets pas uniquement l'école de mode, mais mets le projet, quitte à ce que derrière, tu aies des sous-pages qui servent à présenter l'école, les formations, etc. Même si c'est ça aujourd'hui qui crée l'essentiel de ta valeur, ce qui est important aussi, si tu ne te positionnes pas sur l'ensemble de ton projet, tout le monde considérera que ton seul projet, c'est l'école. Et en ayant comme seul projet l'école, tu vas être dans une situation où tout le reste va sembler être accessoire, alors que pour toi, le reste est aussi important, voire plus important que l'école dans le long terme. Pour continuer la métaphore sur la question du positionnement, j'ai un autre exemple que j'utilise beaucoup, c'est celui de l'agence, 1 minute 30, où j'ai créé un blog, mais qui était le blog de l'agence. A contrario, Sylvain Lambert, qui a créé le blog webmarketing.com, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a fait un super boulot et qui a un très beau site et beaucoup de puissance, a créé l'agence du blog. Et c'est vrai que pendant quelques années, il a essayé de développer autour du blog webmarketing.com une agence pour rendre des services et monétiser son blog. De facto, en étant l'agence du blog, il a eu beaucoup moins de succès que 1 minute 30 avec le blog de l'agence. Parce que, en termes de positionnement, ce qu'on voyait sur notre homepage, c'était vraiment une agence. Quand quelqu'un arrivait chez nous, il tombait sur un article du blog, et en suivant l'article du blog ou en cliquant sur le bouton sur l'icône du logo et en revenant sur la homepage, il a vu qu'il était sur une agence. A contrario, quand quelqu'un arrive sur le blog de Sylvain ou si quelqu'un arrive sur le blog de cette école de mode, s'il clique et qu'il arrive sur un truc où il n'y a qu'une école, où il y a un blog et pas l'agence, il ne comprend pas qu'il est sur une agence. Donc le principe naturel qui est de contacter une agence pour faire une prestation de service, qui est le cas des gens qui viennent sur mon blog et qui voient qu'on est une agence et qui voient qu'on peut rendre un service, n'est pas fait. Donc c'est hyper important de se positionner clairement et d'avoir un positionnement qui correspond à la globalité du projet ou en tout cas à la partie la plus pertinente de là où on veut insister sur le projet. 1 minute 30, c'est pas un blog. 1 minute 30, c'est une agence qui a un blog qui lui sert à sa communication. Voilà les choses comme elles doivent être faites pour que, à travers un positionnement très clair, à travers 5 secondes de navigation sur votre homepage, les gens savent ce que vous faites, où vous êtes et quelle est votre promesse. Et après, ils vont rentrer dans le détail de soit l'école, soit l'agence, soit le blog, soit le dictionnaire du web, soit enfin tous les services qu'on va rapporter autour. Mais chez nous, il faut que les gens comprennent très vite qu'on est une agence, qu'on a une offre 360 et qu'on est capable de les accompagner avec notre nouveau positionnement sur les logiques de croissance, que ce soit inbound, outbound, que ce soit du marketing ou de la vente. Ce qui compte pour nous, c'est de faire en sorte que nos clients croissent, grandissent, deviennent meilleurs, gagnent plus d'argent et comme ça, on gagnera plus d'argent avec eux. Voilà, pour cette question du positionnement, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous suivre sur YouTube, c'est très important, c'est là où vous trouverez les plus de 100 numéros maintenant. Enjoy the day, on se voit au prochain numéro. Merci à tous.